merci François d'avoir accepté ton emploi du temps de nous réserver quelques minutes pour que je puisse te poser des questions. C'est vraiment un honneur en tout cas de pouvoir avoir cette discussion. Pour te présenter simplement, bon, tu as une carrière qui fait à peu près... Combien d'albums tu as ton actif? Une cinquantaine, c'est ça? Oui, une cinquantaine. Ouais. Une cinquantaine. Tu as commencé à dessiner dans les années 80? À dessiner, je pense, plutôt, mais... Oui. En fait, on n'arrête jamais de dessiner. Mm-hmm. Les dessinateurs n'arrêtent jamais de dessiner. Mm-hmm. C'est les autres qui arrêtent de dessiner, mais les dessinateurs continuent de dessiner. Et en professionnel, j'ai commencé à travailler en 74-75, et en commençant avec de la caricature politique. Je faisais des croquis de circonstances en fonction de l'actualité. Et petit à petit, bien sûr, j'avais dans le collimateur la bande dessinée. Donc je voulais faire de la bande dessinée parce que pour moi, c'était l'aristocratie du dessin. D'accord. Là, tu m'as parlé de... les dessinateurs n'arrêtent jamais de dessiner. Je suppose que tu fais allusion à quand on est petit, on dessine tous et à un certain moment on s'arrête. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. C'est que je me suis rendu compte que souvent on nous posait la question qui était à quel moment avez-vous commencé à dessiner? Ouais. Et je buguais sur cette question parce que ça me semblait pas être la bonne question. Ouais. Et je me suis aperçu qu'en fait la bonne question c'était pas quand moi j'avais commencé à dessiner, mais plutôt quand celui qui me posait la question avait arrêté, lui, de dessiner. Ouais. Et donc, si on regarde les choses comme elles s'expriment, on commence d'abord par dessiner pour mettre à l'épreuve tout ce qu'on nous dit sur le monde. Un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner parce qu'on lui a dit que le chien était noir. Et donc, il va faire un chien noir. Et s'il fait bleu, et que ses parents lui disent « Non, c'est pas ça, bleu. Ça, c'est pas ça, noir. Ça, c'est bleu. » Et donc, noir, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Noir, c'est comme ça. Il va le refaire. Et donc, il va mettre en pratique tout ce qu'on lui dit sur le monde grâce au dessin. Et donc, il va expérimenter le monde et ce qu'on lui dit sur le monde avec le dessin. Et bizarrement, au fur et à mesure qu'on lui apprend le mot, au fur et à mesure qu'on lui apprend les choses qui viennent pour télescoper son intellect, et ben à ce moment-là, on va lui diminuer, sans même qu'il s'en rende compte, le temps qui était réservé au dessin, à la musique, au modelage, à tout ça. On lui diminue parce que, les nécessités sociales veulent que ce soit l'écriture qui prévale, la mathématique qui prévale, même entre la géométrie et la mathématique. Ce qu'on met en évidence, c'est jamais un géomètre, mais plutôt un mathématicien. C'est vrai. Il y a des prix de mathématiciens, mais il n'y a pas de prix de géométrie. Et donc, même là où la géométrie est encore reliée au dessin, il y a une distance qui se fait entre les deux. Et donc, je me suis rendu compte qu'au fond, il y avait ceux qui avaient résisté à cette emprise sociale. Ouais. Hein, ceux qui avaient résisté et qui avaient continué à expérimenter le monde grâce au dessin, en tout cas en ce qui concerne les dessinateurs. Mm-hmm. Pour les musiciens, bien sûr, c'est autre chose. Ouais, et les danseurs aussi, c'est encore autre chose. Voilà. Ouais. Hein? C'est vrai. Et donc, justement, à quoi tu ressemblais quand tu étais gamin? Pour moi, c'est un peu difficile à dire puisque j'étais dedans. Oui, d'accord. Mais j'ai l'impression que d'abord, j'aimais beaucoup le dessin. J'aimais beaucoup donc ces moments où j'étais seul à dessiner. En dessinant, il y avait un climat très particulier que j'adorais. Et en même temps aussi, il y avait les possibilités de la facétie avec le dessin. Ce qui me plaisait, c'était l'humour. J'aimais rigoler, j'aimais trouver des gags, j'aimais trouver des situations qui pouvaient faire rire les gens, et donc le dessin me permettait de les réaliser quand j'en avais qui m'arrivaient à l'esprit, ou bien quand j'en voyais, j'essayais de la dessiner. D'accord, et tu avais
À l'école, tu partageais tes dessins, tu avais un peu de popularité grâce à ça aussi, je pense. Au début, je dessinais comme les autres. Ouais. Sauf que petit à petit, je me suis rendu compte que je devenais le dessinateur. Ah, dans une classe, tu sais, il y a des rôles qui sont attribués aux uns et aux autres. Et moi, petit à petit, je devenais le dessinateur. Et comme ça me convenait, bien sûr, puisque j'aimais le dessin, je me suis incrusté dans ce rôle-là. Ouais. Et donc, ça ne m'a pas posé problème d'être... Tu as trouvé ta place dans l'écosystème. Et il y a même des copains qui venaient me voir en disant « Ah ouais, tu dessines bien, et tu ne pourrais pas me dessiner des femmes à poil. » Et donc, ça permettait aussi aux autres, grâce à moi, de faire leur éducation sexuelle. Ok, je vois. Donc, je pouvais aussi avoir un rôle pédagogique. Ah oui, un rôle pédagogique, non, c'est vrai. D'accord, ok. Maintenant, à quoi ressemble une journée normale pour toi? Une journée où tu dessines, où tu travailles sur ta bande dessinée? Je me lève pas tard, ouais. La première chose que je fais, ouais. c'est de rester 5 minutes de plus dans mon lit. Mm-hmm. Au moment où je me réveille, je me suis rendu compte depuis quelques dizaines d'années qu'il fallait rester 5 minutes de plus dans son lit. Parce que ces 5 minutes de plus, elles vont être bénéfiques pour toute la journée. Alors, elles consistent à se dire, quand je raconte une histoire, par exemple, je vais dire, le personnage, il était où? Ah ouais, il a fait ça, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire? Ah ouais, mais s'il doit faire ça, il faut qu'il rencontre un mec comme ça. Quel genre de mec ça va être? Et donc, je passe en revue à ce moment-là toute l'histoire que j'ai déjà racontée et toutes celles que j'ai encore à raconter. Et c'est un moment très privilégié parce que, à ce moment-là, comme on n'est pas encore debout et qu'on n'est pas encore en état de veille, mais qu'on est déjà éveillé sans être complètement dans l'activité, et qu'on n'est plus tout à fait dans le monde du rêve, mais qu'on a encore un petit bout de rêve qui est attaché à la chaussure, et on a un moyen privilégié pour trouver des idées. Et donc c'est un moment privilégié qui fait qu'on visualise beaucoup plus clairement les images qu'on va faire, on visualise aussi plus clairement ce qui va être les intentions, ce qui vont être les intentions de l'histoire. Et donc je commence par ça. Ensuite, je me mets debout. Après avoir pris un petit déjeuner, je me mets directement à travailler. Après avoir regardé les actualités télévisées la plupart du temps, parce que depuis maintenant un an, je fais un dessin sur Facebook et donc je commence ma journée en me disant qu'est-ce que je vais faire pour mettre sur Facebook. Ça, c'est un truc totalement gratuit. Mais qui est très intéressant j'ai parce ça, que, ouais. on, si tu veux, il y a plein d'idées qui nous arrivent à la tête. Mm-hmm. Et on les écrit sur le côté quand on n'a pas de... Et c'est vrai qu'on n'a jamais le temps de les... On ne les fait pas. Ouais. Alors que Facebook peut être intéressant justement pour finaliser les idées qui nous traversent l'esprit et qu'on se dit, ah tiens, là j'ai une bonne raison de pouvoir les finaliser. Donc ça, c'est la première partie. Puis après, quand j'ai préparé ça, je file à mon atelier, parce que j'ai une maison et à 5 km de là, j'ai mon atelier. D'accord. Et donc, ensuite, je pars à l'atelier. Et là, à l'atelier, je travaille sur l'histoire qui est en cours. D'accord. Et je fais les dessins, pas d'obligation, mais les dessins sur lesquels je m'active professionnellement, on va dire. D'accord. Et là, je peux travailler jusqu'à... parfois 9h du soir, parfois un peu plus. Parfois c'est aussi un peu plus court parce que je dois aller à un entraînement de kendo. J'imagine, voilà, bon, tu as aussi tes activités. C'est... disons qu'en moyenne, sur une semaine, je travaille à peu près une dizaine d'heures par jour. Quoi. D'accord. Ok, ça te fait un bel emploi du temps quand même. Est-ce que tu as des astuces pour être productif? Si par exemple, il y en a surtout peut-être qui commencent dans la bande dessinée, ils chercheraient peut-être un conseil ou deux pour pouvoir venir à bout de leur projet, qu'est-ce que tu leur conseillerais? D'abord de travailler beaucoup, de ne pas économiser leur énergie pour le travail du dessin, parce que comme le dessin est un travail
différent, par exemple, si on veut être romancier, mmh. à mon avis, c'est plus facile d'être romancier que d'être dessinateur. Pourquoi ? Parce que le langage qui va permettre d'écrire des romans, on l'a appris à l'école pendant des années. Et on le pratique aussi. Alors que quand on est dessinateur de bande dessinée, on va devoir créer un langage complet à partir de rien. Mmh. Et donc, on va essayer de créer ce langage à partir de... Donc je dis à partir de rien, c'est pas tout à fait vrai. Il faut aller le chercher chez ceux qui l'ont déjà pratiqué. D'accord. Et donc on va regarder comment lui, il a rendu l'anatomie d'un personnage. Ouais. Comment lui, il a rendu un décor. Comment lui sentir avec la perspective. Comment ouais. lui... Et donc il faut énormément regarder les dessinateurs. Merci. Les autres dessinateurs que ce soit. Ouais, ça c'est important. Et donc ça c'est... un aspect et pas se limiter à un dessinateur. Mmh. Il faut aller voir tous les dessinateurs. Mmh. Parce que tous les dessinateurs, chaque dessinateur a quelque chose d'important qu'il a compris. Même des dessinateurs qui peuvent sembler relativement négligeables. Chacun a compris au moins un truc. Et donc, il faut essayer de le capter et de l'intégrer dans sa manière de dessiner. Ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. Peut-être une avant-dernière question. Est-ce que tu as eu des obstacles dans ta carrière et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter ? Est-ce qu'il y a déjà eu des trucs qui t'ont posé problème ? Ça peut être quelque chose de grand comme de petit, hein, mais est-ce que tu as déjà eu l'expérience avec ça ? Bien sûr, plein de fois. Ouais. Y a une période que sans doute tous les dessinateurs. Vécu, ouais. C'est un moment où tu penses que parce que tu dessines, mm-hmm. ça va être facile de faire de la bande dessinée. Ah. Et donc, tu penses que le dessin que tu fais est suffisant pour pouvoir faire une bande dessinée. Mm-hmm. Or, c'est pas vrai. Et c'est pas parce que tu as un bon dessin que tu vas bien savoir raconter une histoire. Raconter une histoire en bande dessinée, c'est... mettre les images les unes à côté des autres de façon à ce qu'elles forment un ruban continu de mouvement, de rythme et d'intelligibilité parce qu'il va falloir que tu rendes clairement concrète ouais. ton histoire pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Mmh. Et donc, tu vas devoir passer à travers ce trip-là. Et moi, je me souviens de cette période qui a duré pratiquement... qui a bien duré un an et demi, pendant laquelle je pensais jamais que j'arriverais à faire une bande dessinée correcte. Pourtant, je savais dessiner. C'était au début. Et donc, je commençais une planche de bande dessinée. Ouais. Et je faisais la première page, la première case. Je terminais la première case, j'étais content. Ouais. Parce que j'étais plein d'enthousiasme pour commencer. Je sens que ça va aller. Et je commence ouais. la deuxième case. Ouais. Là, ça commence à être plus difficile. Et j'arrive à la troisième case, et là, ça va plus. Alors là, je commence à mettre du blanc, à changer, à déchirer l'image, à en mettre une autre à la place, etc. Et j'ai commencé, je ne sais pas combien de fois, une première page de bande dessinée, ça a duré pendant un an et demi. Pendant un an et demi, tous les matins, je me disais, je vais commencer une histoire. Je commençais la première case, la deuxième, la troisième case, et je finissais la journée, j'étais abattu, parce que je me disais, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à raconter ce que j'ai envie de raconter, parce que ça marche pas. Et un beau jour, pour débloquer la situation, je me suis dit, bon ben, ok. Je sais pas ce qui se passe à la troisième case, mais je vais faire la troisième case comme je peux, et je vais l'accepter comme elle est. Je ne vais pas la charcuter, faire quelque chose pour faire mieux. Non, je la garde. Mm-hmm. Et je passe à la quatrième case. Et si la quatrième case ne me plaît pas, je m'en fous. Je passe à la cinquième. Et j'ai commencé à débloquer la situation en faisant ça. En me disant, après tout, il faut que j'accepte ce que je dessine comme je le dessine et pas en ambitionnant quelque chose de mieux par rapport à ce que je suis capable de réaliser. Il faut être, à ce moment-là, relativement humble. Et donc, j'ai
j'ai baissé mon niveau d'exigence pour pouvoir réussir à passer cette étape. Et c'est une étape qui était assez... donc en tout cas, l'étape qui précédait était très très douloureuse parce qu'il y avait des moments où je me disais mais jamais je pourrais faire ce métier, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et au moment où j'ai accepté ça, tout a commencé à devenir plus souple, plus liquide, plus facile. C'est vraiment génial ce que tu dis là, parce que moi, je suis passé aussi par là. Et c'est vrai que ce qui bloque beaucoup de gens qui se lancent dans la bande dessinée, c'est leurs attentes. Leurs attentes sont là, et en fait, c'est cet écart, ouais. Ce grand écart qu'il va falloir faire. Et il va falloir l'accepter. Voilà. Il va falloir être capable de voir que c'est moins bon et se dire que c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Voilà. Et ça demande beaucoup de force mentale, déjà de courage pour accepter ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile de critiquer un dessinateur. Parce que tu sais que ce qu'il fait, c'est le mieux de ce qu'il peut faire. Ouais. Et donc, quand un dessinateur vient en disant « il faudrait que vous me disiez ce que vous pensez de... » Tu sais que tu marches sur des œufs parce que tu sais que tu c'est comme si tu plantais des aiguilles dans la peau, tu vois, à chaque critique. Tu prends son faire. Bébé et tu lui mets des petites plaques. Ouais. Et donc, il faut être extrêmement scrupuleux quand on fait le commentaire d'une page ou d'une histoire dessinée par quelqu'un d'autre. C'est vrai. Ben, en tout cas, merci pour ce moment que tu as passé avec nous. Peut-être juste pour finir, j'aime bien poser la question, est-ce que tu as des projets que tu prévois, et est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Des projets, j'en ai quelques-uns, ouais. Ouais, ouais. Ouais, là je suis en train de dessiner un janitor parce que c'est une série que j'avais laissé un peu en suspens parce que je n'étais pas très satisfait de la configuration du scénario, donc et je voulais le retravailler, et puis j'avais pas beaucoup de temps pour le travailler vite, donc ça c'est en cours. J'ai fait une histoire de Mouchereau que j'ai commencé, qui fait 60 pages pour l'instant, mais qui n'est pas finie, donc ouais. Elle va peut-être faire 80 pages, je ne sais pas, mais ouais. Ça va être une longue histoire. Et ensuite, j'ai un bouncer à faire, que là aussi on a entamé le scénario. Et après ça, il y a peut-être une suite, sans être une suite, qu'on va donner à Little Tulip, le bouquin qu'on a fait avec Charine. Donc là aussi, il y a une partie d'écrite, mais qui n'est pas encore complètement satisfaisante pour la dessiner. Donc tout ça, c'est en suspens. Plein de séries qui sont... Voilà. Puis en parallèle de ça, je fais des trucs aussi. Là, par exemple, j'ai fait la mise en scène d'un spectacle pour l'Orchestre de Lille. L'Orchestre National de Lille qui va fêter ses 40 ans, et ils m'ont demandé si je voulais bien faire quelque chose qui fête les 40e anniversaire de cette orchestre. Mais l'illustration. Alors là, j'ai fait des dessins, et ces dessins vont être mis en gonflable, tu vois, donc mes personnages vont être gonflés, et ils vont être dans la salle, et vont bouger comme ça avec la musique de l'orchestre. Ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est... Ça, ça va avoir lieu ici en décembre, donc ça c'est un boulot le plus proche. Et puis il y a des travaux comme ça que je fais aussi. On a encore de belles années pour apprécier ton travail encore. J'espère, c'est plus longtemps possible. Merci encore, je pense que ça va aider beaucoup de gens. On aurait aimé discuter avec toi encore plus longtemps, mais voilà, la dédicace t'appelle. Ouais. Voilà. C'est un peu trop, mais ça m'appelle quand même. Voilà, c'est les joies du métier. Merci en tout cas, et on se retrouve à la prochaine. Ouais, volontiers, bien sûr. Au revoir.